à tous. Cette semaine, on s'intéresse à cette maladie qui fait des victimes au sein de la population camerounaise. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative. Elle entraîne des troubles de la mémoire et du langage. Chaque année, de nouveaux cas sont diagnostiqués au Cameroun, notamment chez les personnes âgées. Bien que la maladie reste encore mal connue, beaucoup l'assimilent à de la folie. Certains pensent même que les causes sont dues à l'ensorcellement. C'est une nouvelle vie qui démarre non seulement chez les patients, mais également chez les membres de leur famille une fois le diagnostic de l'Alzheimer établi. Nous en parlons dans un instant dans ce nouveau numéro de Check-up. Mais avant, je vous invite à découvrir ce qui constitue le menu de ce soir. A tout de suite. Au sommaire de Check-up cette semaine, que savez-vous de la maladie d'Alzheimer? Jusqu'où peuvent aller les manifestations et symptômes de cette maladie chez les patients? Qu'en est-il du coût du traitement dans les hôpitaux au Cameroun? Le professeur Mapouré, neurologue, apporte quelques éléments d'explication. À suivre également le combat des médecins bénévoles dans le processus d'acceptation de la maladie d'Alzheimer. La chronique du dentiste cette semaine porte sur la prothèse dentaire amovible. Et au bas de votre magazine de la santé, vous en saurez davantage sur le planning familial et son importance dans la vie d'une adolescente. Bonsoir une fois de plus et merci d'être des nôtres. Vivre avec l'Alzheimer au quotidien est une bataille continuelle, non seulement pour le malade, mais également pour les aidants, que sont les membres de ces malades-là. Et nous avons sur ce plateau pour en parler le professeur Yacouba Mapouré. Bonsoir. Bonsoir, Mireille. Le docteur Yacouba Mapouré est neurologue en service à l'hôpital général de Douala. Il est également le président de l'Académie camerounaise de neurologie. On le dit chaque fois, l'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire? C'est-à-dire la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du cerveau. Oui. Quand on dit neuro, neuro fait allusion ici au cerveau. Dégénérative, c'est-à-dire ça vieillit. Donc dans la maladie d'Alzheimer, c'est un vieillissement anormal du cerveau et qui va exposer, être à l'origine des manifestations, des symptômes sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure. Alors quel est l'état des lieux de l'Alzheimer au Cameroun, docteur, professeur, pardon? Actuellement au Cameroun, nous n'avons pas de données recoupées dans la population, c'est-à-dire on n'est pas encore descendu au niveau de la population générale, c'est-à-dire aller maison par maison pour essayer de voir ce que représente cette maladie dans notre milieu. Mais tout au plus, ce que nous savons dans les études que nous avons menées dans notre pays, et ces études sont des études hospitalières, on s'est rendu compte dans les services de neurologie, en consultation de neurologie, chez les personnes âgées, que près de 5% des personnes âgées qui consultent au niveau des services de neurologie, donc dans les services spécialisés, sont dus à la maladie d'Alzheimer. D'accord, donc ça veut dire que la maladie est quand même considérable aujourd'hui au Cameroun. Bien évidemment, si je peux le rappeler ici, lorsque nous étions sur les bancs à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé, c'est que j'entends par là l'excuse, on n'en voyait pas assez, peut-être parce que les gens mouraient tôt, l'espérance de vie était courte. Mais aujourd'hui, dans la réalité, c'est que tous les jours, ou bien de façon quotidienne, nous rencontrons des personnes qui ont des troubles, soit c'est la maladie d'Alzheimer, ou des troubles qui ressemblent à la maladie d'Alzheimer, contrairement à ce que nous avons vécu quand nous étions étudiants en médecine. Alors, également sur ce plateau, Madeleine Siké, bonsoir. Bonsoir, madame Mireille. Madeleine Siké, parent d'une malade, on va le dire ainsi, d'Alzheimer. C'est votre maman qui souffre d'Alzheimer et au quotidien, vous prenez soin d'elle. Vous allez partager avec nos téléspectateurs votre quotidien, son quotidien également. Comment ça se passe pour une aidante? Comment la maladie
a été diagnostiquée? C'était à quel âge exactement? Bien, merci Madame Mireille pour l'invitation. Je vais commencer par dire bonsoir à vos millions et milliers de téléspectateurs. Et bien, je suis effectivement aidante, donc fille d'une parente malade. Il s'agit de ma mère. Et elle a été diagnostiquée souffrante ou atteinte de la démence de type Alzheimer l'année surpassée. C'était le 27 novembre 2022, notamment dans une clinique de la place. Donc, quand on l'a découvert, ça n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été facile. En tant qu'aidant, il y a beaucoup à faire. Je vais m'étendre sur la question tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à consulter? Comment la maman se comportait pour qu'on aille, pour qu'on l'amène dans une clinique? Bien. Au départ, on observait qu'elle se comportait bizarrement. Mais au niveau du comportement, même, ça passait. Donc, ce qui dérangeait, c'est le fait que de temps en temps, elle oubliait et elle ne reconnaissait plus les membres de sa famille, sa propre famille. C'est ça qui a attiré notre attention au point où on a dit, bon, il faut qu'on aille consulter. Et quand on vous a dit que c'était l'Alzheimer, comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous êtes dit? C'est terminé, c'est fini pour maman? Est-ce que vous connaissez même la maladie? Est-ce que vous avez entendu parler de cette maladie lorsqu'on le diagnostique chez votre maman? Personnellement, j'en avais entendu parler donc à travers les films, les séries télé-novelas. Mm-hmm. Mais je ne pensais pas que cette maladie existait au Cameroun précisément. Ce qui fait que quand la maman a été diagnostiquée souffrante de cette maladie, moi personnellement, j'ai été bouleversée. Donc ça m'a beaucoup traumatisée. Je me posais des questions. Pourquoi? Comment? Depuis quand est-ce que la maladie est arrivée en Afrique? Donc je n'arrivais pas à comprendre. Alors, on dit que parmi, professeur, je parle sous votre contrôle, parmi les conséquences de la maladie d'Alzheimer, il y a l'errance. L'errance, est-ce que votre parent a déjà eu à l'errance? C'est-à-dire qu'elle est partie de la maison et on ne sait pas où elle est partie et on la cherche pendant des jours. Est-ce que c'est arrivé déjà? Oui, dans notre cas, c'est arrivé une fois. Donc, il est arrivé qu'elle sorte de la maison un samedi matin et qu'elle ne se retrouve plus. Parce que là, la maladie avait déjà avancé, mais nous, on ne savait pas. Donc, on l'a cherché et grâce à Dieu, on a pu la retrouver le lendemain. Alors, professeur Yacouba Mapouré, vous, en votre qualité de neurologue, vous l'avez dit tout à l'heure, vous rencontrez en consultation des personnes qui viennent pour des cas d'Alzheimer ou on diagnostique de l'Alzheimer. Est-ce que vous pouvez revenir sur les symptômes? Qu'est-ce qui peut alerter un proche à la maison et dit, tiens, il faut que j'amène mon parent consulter? D'accord, merci. Alors, en ce qui concerne l'alerte, la première des choses, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est chronique. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est pas de façon aiguë, ce n'est pas quelque chose qui dure. Et d'après ce qui est recommandé, il faut que ça dure au moins environ 6 mois, mm-hmm, de troubles. Quels sont ces donc troubles qui peuvent donc conduire à imaginer ou bien à suspecter cette maladie d'Alzheimer? Le premier qui est le plus fréquent, c'est le trouble de mémoire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, un parent qui vit à la maison, de temps en temps, elle dit qu'elle ne sait plus où peut passer son porte-monnaie, il ne sait plus où il a laissé son portefeuille, et parfois, s'il y a des personnes, des enfants dans la maison, elle va se mettre à dire, à accuser qu'on a volé, on a volé, et puis le lendemain, elle retrouve son porte-monnaie. Ça, ça passe. La deuxième chose, lorsqu'on est proche de ces personnes, c'est le fait de poser les mêmes questions. Ils vous posent une question, vous répondez, mais sauf que 2 heures de temps après, dans la journée, il vous repose encore la même question et le lendemain il répète, le malade répète. Et en plus de ça, souvent après une visite, comme Madame Sike venait dire, les personnes partent et elle a causé avec, elle semblait reconnaître les personnes, mais sauf que après le départ de ces gens, elle se met à poser la question, qui était même dans la maison, qui nous a rendu visite? Et puis, pour les personnes qui ont, par exemple, qui sont titulaires des cartes bancaires, voyez-vous que cette personne ne sera plus capable d'aller au guichet pour essayer de faire, ou même composer un numéro de téléphone qui, à l'époque, était bien connu, maîtrisé de la personne. Voilà quelques symptômes qui permettent les premiers mois de suspecter cette maladie. D'accord. Alors, si elle ne peut pas composer un numéro de téléphone, elle peut tout de même répondre? Oui, elle peut bien répondre. Et savoir identifier son interlocuteur, oui, au bout du fil. En fait, comme cette maladie, je l'ai dit, elle est progressive, elle, d'accord, est chronique, elle est progressive. Au tout début, ça peut être des troubles mineurs. Et comme même le malade, entre 2 jours, peut recouvrer complètement, je dis bien complètement, son état
dit qu'il parle, tout est cohérent, il se rappelle de tout. Mais sauf qu'un autre jour, ça bascule, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui arrive à la maman ou à papa? Et ainsi de suite, ça va sur un coup devant, un coup en arrière, un coup devant, un coup en arrière. Donc, c'est un mode intermittent. Mais sauf que la constance, elle est là. Donc, on comprend que seules les personnes âgées peuvent souffrir. Les personnes âgées, effectivement, chez ces personnes-là, on ne saurait évoquer la maladie d'Alzheimer chez quelqu'un qui a 10 ans. J'ai un enfant de 10 ans, ça n'existe pas. Pour le moment, ça peut être des symptômes qui ressemblent aux manifestations. Voilà. Et d'ailleurs, dans notre cas, ça, je ne peux pas quitter ici sans le dire. Nous le voyons chez les malades AVC. Il y a des jeunes qui font des AVC, par exemple, à répétition, qui finissent par développer des symptômes qui ressemblent. Dans ce cas, c'est une démence vasculaire et non une démence dégénérative. Et on a le troisième figure dans notre, la troisième figure dans notre milieu, c'est l'infection à VIH. Qui fait que chez des personnes qui ne sont pas bien soignées, qui ne sont pas prises en charge correctement, ils vont finir par développer ce tableau-là. Et c'est lorsqu'on va faire la consultation, quand on examine et qu'on va faire des bilans, des examens de sang et certains autres examens peut-être sophistiqués, qu'on va se rendre à la en fin de compte qu'il y avait une infection chronique qui entretenait cela, mais sans que ce ne soit forcément une dégénérescence et un vieillissement. D'accord. Alors, nous savons que le 21 septembre de chaque année est célébrée la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Au Cameroun, une association a vu le jour et depuis plusieurs années, elle sensibilise, elle mobilise et elle recense les malades de l'Alzheimer. Il s'agit de l'association ACMA, entendez, Association Comprendre la maladie d'Alzheimer. Et cette association a organisé une conférence de presse pour pouvoir informer sur cette maladie. Je vous propose de regarder dans le reportage qui suit. Un rendez-vous manqué parce qu'on l'a oublié. Cela peut paraître anodin, mais lorsque les oublis se multiplient, lorsqu'on n'arrive plus à reconnaître les personnes de son entourage, lorsqu'on a du mal à effectuer des gestes habituels comme se déplacer, s'habiller ou s'exprimer, lorsqu'on est âgé de plus de 60 ans, ce n'est pas forcément un début de folie ou de la sorcellerie. Une personne du troisième âge croisée à un carrefour au petit matin et qui ne se souvient pas de comment elle a fait pour arriver là n'est pas forcément une sorcière dont les familles, ses scènes sont connues. Elle a oublié la route de la maison. C'est une voisine de mon épouse qui l'a vue et l'a ramenée à la maison. Elle dit qu'elle ne connaissait plus là où elle allait. Bon, elle a même voyagé, elle est partie au village. Du village, elle est allée au Marigot se laver et elle est perdue. Toute une nuit, on l'a retrouvée plutôt le lendemain. Elle est venue sur une moto. Troubles de l'humeur, troubles de la mémoire, voici quelques manifestations de la maladie d'Alzheimer. C'est encore un mystère au Cameroun et dans plusieurs pays africains, au vu des symptômes parmi lesquels la démence. La maladie d'Alzheimer ne se soigne pas. Pourtant, les professionnels de la santé sont unanimes sur ce message d'espoir. Il est possible pour les patients atteints de cette maladie de vivre aussi longtemps que possible s'ils sont bien accompagnés. Le manque de personnel soignant pour personnes du troisième âge au Cameroun est criarde. Il y a un accompagnement de fond, de façon chronique, de façon longue à faire. Et cet accompagnement passe surtout par la formation des aidants. Parce que les aidants sont les personnes qui sont aux côtés des malades, qui s'occupent d'eux, parce qu'ils perdent, les malades perdent leur autonomie. Donc à un moment donné, il faut leur donner à manger, il faut leur mettre des couches, des protections, il faut les amener jouer, il faut leur faire faire du sport. Et donc nous accompagnons les familles dans toutes ces démarches-là en offrant des services médicaux et paramédicaux pour que les
patients, les personnes atteintes aient la meilleure qualité de vie possible malgré l'évolution de leur maladie. À côté de l'aspect socio-médical, l'accompagnement des patients atteints de la maladie d'Alzheimer doit également être d'ordre juridique, social et psychologique. La maladie d'Alzheimer, c'est une réalité au Cameroun. À l'hôpital général de Douala, 44% des patients enregistrés souffrent de démence, dont la majorité des cas, les maladies cardiovasculaires en sont les principales causes. Les liens entre la maladie d'Alzheimer et les maladies cardiovasculaires, c'est surtout au niveau des facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque cardiovasculaires traditionnels, comme on les connaît, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, le tabac, la dyslipidémie, le mauvais cholestérol, ce sont ces différents éléments-là, généralement, qui entraînent des problèmes au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux. Mais on s'est rendu compte également que ce sont des maladies qui prédisposent à développer plus rapidement la maladie d'Alzheimer. C'est donc le but de défaire les préjugés et faire connaître davantage la maladie qu'il a été organisé en ce mois de septembre 2024, une campagne de sensibilisation à l'hôpital général de Douala. Voilà, retour sur ce plateau, une conférence au cours de laquelle on a observé quand même le grand public qui était là pour pouvoir s'informer sur cette maladie qui, bien que nous soyons en 2024, reste tout de même encore mal connue. Professeur, selon les dernières données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les décès liés par la maladie d'Alzheimer par démence ont atteint les 1,15% au Cameroun. Qu'en est-il exactement? Effectivement, les malades souffrant de cette pathologie, dont la maladie d'Alzheimer, auront une mortalité un peu plus importante comparée aux personnes du même âge qui n'en souffrent pas. Oui. Et ce, pour plusieurs raisons. Les raisons qui arrivent en tête, c'est souvent qu'à cet âge-là, ces patients ont tendance, ou du moins c'est des gens exposés à d'autres maladies, par exemple cardiovasculaires, d'autres affections, qui peuvent être source de mortalité, donc ça augmente. La deuxième chose, c'est dans le suivi. Et ça, je crois que, comme on a Madame Sike ici, c'est la difficulté pour les familles. Parce que si en Occident, les choses sont bien organisées, structurées, on a les maisons de retraite, on a ces facilités-là qui permettent de prendre en charge ces personnes qui sont fragiles. Dans notre contexte, ce n'est pas encore le cas. Et c'est donc un lourd fardeau pour les familles qui ont ces personnes, parce qu'il faut organiser tout. Quand une personne devient souffre de la maladie d'Alzheimer, cela veut dire quoi? On doit penser tout pour elle, pour ce qui est de la nutrition. À cet âge qui est déjà avancé, souvent ils souffrent de l'hypertension, ils souffrent du diabète, il y a peut-être le cholestérol, peut-être il y a une maladie de la prostate. Il faut prendre tous ces traitements à des heures précises, et sans oublier le facteur alimentaire, il faut bien les alimenter, et sans oublier l'hygiène corporelle. Donc c'est cet ensemble-là qui rend un peu cette prise en charge et expose ces personnes-là à une mortalité plus élevée que les personnes du même âge qui n'en souffrent pas. C'est vrai qu'on dit aussi que la meilleure façon de permettre à une personne souffrant d'Alzheimer de s'en sortir, c'est vrai que jusqu'ici, il n'y a pas de véritable traitement. Il y a des traitements en phase d'expérimentation. Donc la meilleure façon, c'est de lui donner de l'amour. Que cette personne se sente entourée par des proches. C'est aussi une thérapie qui marche, docteur, professeur. Si l'une des choses que nous recommandons, et c'est en ça que malgré que nous n'avons pas un système de soins déjà organisé, structuré, comme dans les pays dits avancés ou développés, c'est que dans notre contexte ici, c'est cette solidarité familiale, mais malheureusement qui est mise en jeu par les enjeux économiques. Nous avons une solidarité familiale qui faisait que une personne pouvait se déplacer pour aller s'occuper de son oncle, de sa tante,
de son aîné, son grand frère, etc. Mais que nous voyons aujourd'hui, l'individualisme est en train de prendre le coup, avec et tout ça favorisé par tout ce que nous avons comme tribulation économique. Et donc, du coup, on est en train de perdre cette solidarité qui, malheureusement, permettait que les personnes démentes, victimes ou bien souffrant de démence, étaient correctement. Cet amour-là, ça manque ailleurs d'ailleurs. Et c'est pour ça que certaines personnes estiment que s'il y avait une seule chose à préserver chez nous et qui peut aider dans la prise en charge des affections comme celle-là, c'est cet amour, cette solidarité que nous avons en Afrique. Alors, vous parlez d'amour et de solidarité. Madeleine, vous êtes combien à votre maman aujourd'hui et est-ce que vous vous relayez dans son encadrement au quotidien? Bien, nous sommes six enfants. Je ne peux pas dire malheureusement parce que les autres ne sont pas disponibles et leur profession est tellement contraignante qu'ils ne peuvent pas être là tout le temps. Exactement. Du coup, je me retrouve avec mon frère, dont on se relaie. Quand je suis en service, lui, il reste à la maison, s'occupe bien d'elle. Et puis, quand je suis disponible, je reviens à la maison. Puisque je ne travaille pas à Douala, je suis à Lom, je reviens à la maison et je m'occupe d'elle. Donc, nous sommes deux à nous relayer. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour qu'elle ne puisse pas partir de la maison? Comme on l'a dit tout à l'heure, l'errance, c'est quelque chose, c'est une conséquence de cette maladie d'Alzheimer-là. Ouais. Et souvent, on voit des personnes d'un certain âge errer dans la rue. On les assimile à des personnes... Avions de nuit. Voilà, avions de nuit. Alors, qu'est-ce que vous faites pour que votre parent ne parte pas de la maison? Parce qu'on a d'autres personnes qui les attachent, hein? Qui préfère attacher le parent dans la chambre pour qu'il ne puisse pas sortir? C'est vrai qu'au début, on a pensé à l'attacher parce qu'elle était tellement agitée. Et comme c'est une personne qui a été habituée à sortir tout le temps, elle faisait son petit commerce, elle n'était pas habituée à rester à la maison. Donc, tellement agitée qu'on s'est dit, pourquoi ne pas l'attacher? Mais après, par amour pour elle, on s'est dit, comment est-ce qu'on va attacher maman? Elle a tellement souffert pour nous. Donc, le mieux, c'est qu'on la surveille de près. Donc, parfois, on ferme la porte pour qu'elle ne sorte pas. Mais quand on se rend compte que la porte est fermée, elle tape. Donc, elle tape tellement sur la porte que sa main finit par enfler. On décide d'ouvrir la porte, de la laisser se balader. Et on la suit de très près. Elle a quel âge aujourd'hui, maman? Maman, actuellement, elle a 73 ans. Mm-hmm. 73 ans. Et le quotidien n'est pas facile. C'est douloureux, mais on supporte. Donc, quand je parle de quotidien, je parle de quoi? Déjà, quand elle se lève le matin, elle prend son bain. Ce n'est même pas évident parce qu'avec elle, la force, elle fait la force à tous les niveaux. C'est vous qui lui donnez son bain ou c'est elle-même qui le fait? Non, elle ne fait plus rien. Mm-hmm. Elle a perdu toutes ses aptitudes. Mm-hmm. Donc, du coup, on se retrouve en train de prendre soin d'elle, même au niveau du bain. Moi, c'est moi qui prends, qui lui donne son bain. Donc, après avoir donné le bain, je passe à la nutrition. Mm-hmm. Et là encore, il faut surveiller. Parce que parfois, on lui sert à manger. Donc, quand on revient quelques minutes après, on se rend compte que le plat est vide. Alors qu'elle n'a pas mangé, elle a plutôt pris la nourriture et mis dans sa poche. Donc, le quotidien n'est pas évident. Suivez de près, même jusqu'à la nutrition. Donc, partout où elle va, on la suit. Alors, aujourd'hui, vous avez décidé d'intégrer l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer, l'ACMA. Et ça se passe comment avec cette association-là? Qu'est-ce qu'elle fait pour vous les aidants, les parents des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer? Elle nous a aidés à trouver un auxiliaire donc pour rester avec la maman. Bien. Après, on n'en a plus besoin. Parce que la maman, elle est tellement agitée que ce n'est que nous, ses enfants, qui devons la surveiller. On a pris un auxiliaire, un deuxième, il n'a pas tenu. Il est parti. Donc, ce que l'association fait en général, c'est quoi? C'est d'apporter leur soutien aux familles qui en ont besoin. Donc, dans la formation, précisément, des aidants familiaux. En dehors de ça, elle organise aussi des dépistages d'ateliers, des dépistages de mémoire. Et elle forme les aidants à l'extérieur en organisant des séminaires. Alors, professeur Mapouré, vous avez quelque chose à ajouter parce que nous savons que vous travaillez également avec cette association-là.
Je voudrais déjà féliciter ici les responsables de cette association qui ont eu l'idée géniale de mettre en place cette association. C'est d'autant plus que dans nos contrées, comme c'est une maladie de l'âge, souvent on a assimilé facilement les personnes âgées souffrant de cette maladie de sorcellerie, de tours, on les taxe de tours, voilà. Pourtant, c'est pourquoi je disais que la maladie reste encore mal connue. Donc déjà, cette association permet d'avoir une visibilité. Deux, il y avait, contrairement à Mme Sikich, ils ont pris le taureau par les cornes. Dans d'autres familles, c'est plutôt le laisser, c'est-à-dire on s'en débarrasse. Il faut même qu'on s'en sépare le plus vite. Ça fait la honte de la famille. Donc à travers cette association, on sensibilise et les gens comprennent que c'est une maladie comme toutes les autres et qui peut survenir chez n'importe qui. Personne ne peut dire que là où je suis immunisé contre cette maladie. Nous acheminons déjà vers la fin de cette émission. En définitive, professeur Mapouré. Première chose, plus tôt le diagnostic est fait, on peut ralentir la progression de la maladie, mais on ne peut pas l'annuler. On peut ralentir et c'est sur cet aspect-là que mon propos, je vais beaucoup insister d'être regardant, d'être un peu consulté plus tôt. Parce que dans l'étude que nous avons menée ici, le délai pour les patients d'arriver chez le neurologue, c'est 2 ans, 8 mois. Voilà, merci professeur Yacouba Mapouré d'être passé sur ce plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes neurologue en service à l'hôpital général de Douala et président de l'Académie camerounaise de neurologie. Alors, Madeleine Tiké, oui, madame, aidant de parents... souffrant de la maladie d'Alzheimer, je suppose que ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres aidants qui vous regardent en ce moment ou aux autres membres des familles qui ont un parent qui souffre de la maladie d'Alzheimer? Ce que je vais leur dire, c'est que ce n'est pas facile. Nous tous qui traversons cette situation, nous le savons. Mais il ne faut surtout pas rejeter son parent, surtout pas le faire. Et puis prendre bien soin d'eux, être là pour eux, parce qu'eux, ils ont été là pour nous. C'est mon mot de fin, merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes parti de la ville de Louma pour la ville de Douala pour prendre part à cette émission. Mesdames, messieurs, nous allons entamer avec la deuxième partie de votre magazine de la santé. À tout de suite. Mesdames, messieurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Le programme, c'est Check-up. Nous entamons ainsi la deuxième partie de votre magazine de la santé consacré aux chroniques. Démarrons avec la première qui est celle du chirurgien-dentiste Joël Manfaux qui ce soir parle de la prothèse dentaire amovible. Cette prothèse dentaire qui joue un rôle supplémentaire qui vient ainsi améliorer l'esthétique buccale. Je vous propose de l'écouter. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs du canal du International. Les prothèses dentaires amovibles sont d'abord des prothèses, c'est-à-dire des dispositifs artificiels qui vont permettre de remplacer une ou plusieurs dents dans la cavité buccale. Contrairement aux prothèses dentaires fixes qui sont des prothèses qui seront fixées dans la cavité buccale par le chirurgien dentiste et qui ne pourront être retirées qu'en cas de réintervention par le chirurgien dentiste. Alors, il existe plusieurs types de prothèses que nous pouvons classer en fonction de différents paramètres. Si on prend le paramètre du nombre de dents perdues, on pourra dire par exemple qu'il existe des prothèses totales. Ce sont des prothèses qui vont permettre de remplacer la totalité des dents dans la cavité buccale ou la totalité des dents sur une encarte. On les appelle également les dentiers. Nous avons également les prothèses amovibles partielles qui vont permettre de remplacer une ou plusieurs dents dans la cavité buccale et non la totalité. Si nous prenons en compte le matériau utilisé pour la fabrication de la prothèse, nous pouvons citer les prothèses en résine qui sont les prothèses les plus simples. Nous avons les prothèses également en valplace
qui sont fabriqués à partir d'une résine thermoplastique, ce qui confère à la prothèse un certain nombre de caractéristiques en termes de flexibilité, en termes de durabilité également et en termes de légèreté. Nous avons également des prothèses qui possèdent une armature métallique qui sont également appelées les prothèses squelettiques. Les prothèses amovibles ont un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. L'avantage principal est ici le coût, parce qu'elles sont assez abordables et la plupart des patients peuvent s'en procurer assez facilement, contrairement aux prothèses fixes qui nécessitent généralement de débourser un peu plus d'argent. Comme inconvénient, nous pouvons citer que ce sont des prothèses qui nécessitent un entretien particulier, contrairement aux prothèses fixes qui sont dans la cavité buccale et dont il faudrait juste bien nettoyer les dents. Nous pouvons aussi citer le fait qu'elles sont parfois un peu inconfortables, surtout au début, ce qui nécessite généralement un petit ajustement. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle capsule. Voilà, retour sur ce plateau après avoir écouté le docteur Joël Manfaux. Place à présent à la deuxième chronique consacrée à la maternité. C'est notre sage-femme Anne-Laure Ngoyemout qui vous parle ce soir de la planification familiale chez l'adolescent. Pourquoi il faut le faire et surtout à quel moment. Je vous invite à l'écouter. Je veux sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui et surtout les adolescents parce que le taux de mortalité, de morbi-mortalité maternelle lié aux avortements est de 13%. Et la tranche d'âge la plus touchée, ce sont des jeunes de 15 à 25 ans. Et l'un des piliers pour réduire cette morbi-mortalité maternelle est la planification familiale. La planification familiale, c'est pour les femmes en âge de procréer. Et l'âge de procréer au Cameroun, c'est de 15 à 49 ans. Donc, même les adolescents peuvent utiliser une méthode contraceptive. Nous avons donc des implants. Ce sont des petits bâtonnets qui sont introduits au niveau du bras. Ils sont soit deux ou trois, ça dépend. Leur durée varie aussi entre 3 et 5 ans. Nous avons également des méthodes injectables qui consistent donc à faire une injection parfois toutes les 12 semaines ou tous les 3 mois. Par exemple, le dispositif intra-utérin, c'est communément appelé dans l'ancien temps le stérilet. Il dure 10 à 12 ans. Nous avons également des dispositifs intra-utérins pour les jeunes adolescents parce qu'on pense que quand on est adolescent, il n'y a pas de méthode. Non, non, non. Il y a des méthodes contraceptives pour les adolescents. Et quand on parle de méthode réversible, ça veut dire que la femme à tout moment peut revenir à l'hôpital et lorsqu'on arrête ou on retire l'implant, le retour à la fécondité est immédiat. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de Check-up. Nous espérons que vous avez été suffisamment informés grâce à nos différents invités sur le plateau. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.